lâche. Je veux que tu récupères tous les hommes disponibles pour retrouver Ethan Mars. Tu mets quelqu'un devant chez lui, jour et nuit. Tu informes toutes les patrouilles qu'elles se mettent à sa recherche. On surveille les gares, les aéroports et les terminaux de bus. Je veux qu'il ait tous les flics de la ville au cul. Je veux pas qu'il puisse mettre le nez dehors sans qu'on le sache. Ouais. Le tueur aux origamis s'appelle Ethan Mars. Joli coup. Merci. Je vous en prie, entrez, monsieur Shelby. Est-ce que vous prendrez un café ? Oh, merci, non. Vous jouez au golf ? J'ai essayé une fois. Je crois que le propriétaire du terrain me déteste encore. C'est pourtant un sport intéressant. Ça demande de la force, mais aussi du sang-froid et une grande précision. Vous voulez bien taper quelques balles avec moi ? Vous ne risquez pas d'abîmer la pelouse ici. Ok. Enlevez votre veste et prenez un club. Le panier de balle est juste là. Le plus important, c'est de bien tenir le club. Quand vous vous sentez prêt, vous frappez. Ce n'est que la première balle. Vous devriez essayer de taper plus fort la prochaine fois. Je suppose que vous ne m'avez pas demandé de venir juste pour jouer au golf, monsieur Kramer. On m'a rapporté que vous posiez des questions sur mon fils. C'est exact. Je veux savoir si Gordy a quelque chose à voir avec l'affaire du tueur aux origamis. Mon fils n'a rien à voir avec ces histoires sordides. Alors il n'a rien à craindre de mon enquête. Vous n'avez pas d'enquête à faire sur mon fils. Je vous ai dit qu'il n'avait aucun lien avec ça. Sauf votre respect, monsieur Kramer, c'est à moi de décider sur qui j'ai envie d'enquêter. Je suis un homme très influent, monsieur Shelby. Je brasse beaucoup d'affaires et je paie généralement très bien. Vous essayez de m'acheter? Disons, j'essaie juste de vous montrer où est votre intérêt. Combien voulez-vous pour foutre la paix à mon fils? Je crois que nous nous sommes mal compris. Je ne mange pas de ce pain-là. Ne vous approchez pas de mon fils, monsieur Shelby. Vous ne vous en relèverez pas. Bonne journée, monsieur Kramer.
Des lézards en porcelaine. On dirait qu'ils sont récents. Êtes-vous prêt à souffrir pour sauver votre fils? Tranchez la dernière phalange d'un de vos doigts face à la caméra et vous recevrez votre récompense. Vous avez 5 minutes pour réussir. Trancher un doigt, ça va être atroce. Je n'y arriverai jamais.
minutes et 30 secondes. C'est bon, lieutenant. On est en place. Parfait. Plus personne ne bouge avant mon signal, compris? On le sert dès qu'il met un pied dehors. Bien, lieutenant. Un coup de bol qu'une patrouille a repéré sa voiture. Qu'est-ce qu'il fait là-dedans? C'est rien. C'est vous le profiler, non? Je
croyais que vous étiez dans la tête du tueur. Justement. Ce que je sais d'Ethan Mars ne colle pas avec le profil psychologique du tueur. Je sais ce que les jurés choisiront entre vos théories et les preuves concrètes. C'est qui cette fille? Mars sort maintenant, elle va tomber en plein milieu. Qu'est-ce qu'on fait, lieutenant? On la fait dégager? Non, pour l'instant, ne bougez pas. Dans l'immeuble. Tu l'habites là. Plus mal. J'aime autant n'avoir personne dans les pattes quand Mars sortira. Ethan, mais qu'est-ce qui s'est passé? La police. Ils sont dehors. Ils vous attendent pour vous arrêter. Il faut qu'on trouve un autre moyen de sortir. Merde. Qu'est-ce qu'il faut? Tenez-vous prêt à intervenir. Signal, on y va. Préférez que vous restiez là. C'est hors de question. Je viens avec vous. Deux gars bloquent l'entrée. Les autres, restez à vos postes. C'est parti. Qui est rentré. Tout le monde descend! Ils sont en train de se barrer par la ruelle! Poursuivez-les! Le métro.
Les rails. Il faut traverser les rails. C'est la seule... Pas un geste, ou je vais sauter ta putain de cervelle. Je ne suis pas là pour vous juger, Ethan. J'essaie juste de sauver votre fils. Il nous reste encore du temps, mais pas beaucoup. Aidez-moi, Ethan. Dites-moi ce que vous savez. Je vais jouer carte sur table avec vous, Ethan. Je crois pas que vous soyez coupable. Ça peut vous paraître étrange, mais... j'ai mes raisons. Si je veux le prouver, il va falloir que vous m'aidiez. Parce que, pour être franc, les apparences sont plutôt contre vous. Vous avez perdu la partie, Ethan. Qu'est-ce que ça va vous apporter de faire une victime de plus? Hein? Bon sang, Ethan! Où est Sean? C'est moi qui ai enlevé Sean. Je n'ai plus aucun souvenir de ce qui s'est passé. J'ignore où il se trouve. La seule chance de le retrouver, c'est de me faire sortir d'ici. Je suis le seul qui puisse encore le sauver. Vous essayez de me mener en bateau, Ethan. Votre histoire n'a aucun sens. Comment voulez-vous que je croie ce que vous me racontez? J'aime mon fils. Il est ce que j'ai de plus précieux. Si vous me gardez ici... Sean va mourir. Y a pas de temps à perdre, Dan. Je m'en cogne de savoir pourquoi t'as fait ça. Tout ce que je veux savoir, c'est ce que t'as fait du gosse. Je ne sais pas. Je l'aurais déjà sauvé si je savais où il est. Bien. Je vais reposer la question, Ethan. Et cette fois, je te conseille de bien réfléchir avant de répondre. Où est Sean? Je vous l'ai dit, je ne sais pas. Ah! Mauvaise réponse. Si vous le cognez, ces aveux n'auront aucune valeur. Ils seront exclus du dossier. Qu'est-ce que vous foutez? C'est un tueur d'enfants! Ce type n'a aucun droit! Et je compte bien lui faire cracher le morceau! Enfoiré! Tu vas me dire ce que je veux savoir ou je te fais sortir d'ici sur une civile? Viens, espèce de connard! Ça fait longtemps que j'attends ce moment! Allez! Allez, viens, montre-moi ce que t'as dans le ventre! Envie de jouer, connard ? Viens !
On va s'amuser un peu. Vous êtes malade, Carter! Cette histoire va vous coûter votre plaque! Tu devrais dégager d'ici vite fait, Norman. Avant que je cède à l'envie de repeindre les murs avec ta putain de cervelle! Ça va pas se passer comme ça. Je vais tout raconter à Perry. Carter est en train de cogner le suspect pour lui soutirer des aveux. Il faut que vous interveniez. Qu'est-ce qui est le plus important, Norman? Retrouver le petit Sean Mars ou éviter quelques petits bleus à cette pourriture? Vous savez, on ne fait pas d'omelette sans casser des... Bon Dieu! Ethan Mars est innocent! Il faut qu'on se remette immédiatement à la recherche de Sean si on veut avoir une chance de le retrouver en vie! Vous avez été très éprouvé par cette affaire, Norman. Je crois qu'il est temps que vous preniez un peu de repos. Votre cocktail, monsieur. Merci. Si je puis me permettre, vous avez l'air préoccupé, monsieur. Des soucis dans votre enquête? Blake est persuadé de la culpabilité de Mars. Pas vous. Il m'a semblé qu'il existait pourtant des preuves tangibles. C'est vrai? Mais rien ne colle. Le profil psychologique ne correspond pas, la géolocalisation non plus. Et puis, je ne vois pas ce père noyer 8 victimes avant de kidnapper son propre gosse. Mars n'est pas le tueur aux origamis. J'en mettrai ma main à couper. Qui alors? J'en ai pas la moindre foutue idée. Vous devriez peut-être passer en revue les preuves dont vous disposez. C'est ce que j'avais l'intention de faire. Oh, un dernier mot, monsieur. Vous devriez faire bien attention à ne pas abuser de ce que vous savez. Ça devient dangereux. Très dangereux. J'essaie de me contrôler, mais... ça devient difficile. De plus en plus difficile. Si monsieur n'y prend pas garde, ça finira par le tuer. Ça serait regrettable, monsieur. Tiens, on dirait qu'il y a du neuf.
l'enregistrement du carrefour près du square où Sean Mars a disparu. J'avais à tout hasard demandé la vidéo au moment de la disparition. Je doute qu'il y ait quelque chose à en tirer, mais on ne sait jamais. Une Chevrolet du modèle correspondant aux empreintes de pneus est passée à 16h02 en direction du square, et repartie dans la direction opposée à 16h37. Ça pourrait correspondre à l'heure de la disparition de Sean Mars. Est-ce que ce serait la voiture du tueur ? Dommage qu'on ne voit pas le visage du conducteur. Une voiture volée, évidemment. Un certain Jackson Neville a été suspecté, mais les charges ont été abandonnées, faute de preuves. Jackson Neville, connu sous le surnom de Mad Jack. Impliqué dans plusieurs affaires de recel et trafic de véhicules, considéré comme très dangereux. Ce type a peut-être fourni sa voiture au tueur. C'est mince comme piste, mais c'est tout ce que j'ai pour le moment.